faute. Il y a une faute sur Bertrand Traoré, il me semble. Les esprits s'échauffent. Ouais. Charles Caboret, le capitaine, Charles va venir essayer de calmer. Oui, bien sûr. Les esprits. Il ne faut pas céder à la provocation. Il ne faut pas céder à la provocation parce que je pense que quand vous venez 2-0, il y a pas quand même. Hein, mais il n'y a pas pris à la demeure 2-0. Vous avez un match qui se déroule assez tranquillement. Monsieur Senko tient son carton jaune. Oui. Et il va le donner à Tebogo Sossomé. Voilà. Tebogo Sossomé. Sossomé, c'était un carton jaune mérité, hein, Jérôme Tebogo, parce que. Et en même temps, ça donne un coup franc très très intéressant pour les talons. Et quand on parle de coup franc, c'est vrai qu'on vient d'inscrire le deuxième but sur coup franc. Mais je pense à Alain Traoré. Alain Traoré. Sur le banc de touche. On va les accompagner. Voilà. Il va les applaudir. Mais quand cela ne tienne, Bertrand Traoré lui-même est tireur de coup franc. On l'a vu à Lyon. On l'a vu également. Manu Diawara a tiré également les coup francs. Donc c'est un coup franc bien placé pour les Burkinabés. Voilà donc. Deux étalons sur le ballon. Bertrand Traoré, Razak Traoré. Et c'est parti. Et c'est le but, le troisième but. À l'heure de jeu, pile-poil 3-0 pour les étalons. Ouais. But marqué à la 60e minute à l'heure de jeu. Ouais. Donc par Razak Traoré. Ouais, c'est vrai, le Burkinabé démontre par coup de pied arrêté qu'ils sont en forme et je pense que sur cette balle arrêtée, Razak a montré toute sa classe parce que vous savez, le Burkina a quand même des joueurs de talent en la matière. Quand vous prenez Bertrand Traoré, Razak Traoré, Alain Traoré, Banu Diawara sont les tireurs de coup franc et sur cette action, ils ont encore démontré qu'ils ont du talent. Bravo Razak. Razak également qui signe son grand retour parce que vous savez qu'il a fait une année où il n'a pratiquement pas joué, il était blessé dans son club. Et il signe son grand retour avec les étalons. Ah ouais, Razak Traoré, on revoit l'action. Coup franc très bien précis, petit filet. Oh, là c'est difficile pour Kabelo Dambé d'aller chercher ce ballon. C'est incroyable. Il ne peut pas, il s'étale de tout son long. Malheureusement, il ne pourra pas aller chercher ce ballon. Et c'est le troisième but pour le Burkina Faso. Voilà, 3-0 qui permet au Burkina Faso de s'installer plus confortablement dans le fauteuil de leader de ce groupe I, donc au détriment de l'Angola. Mais la partie n'est pas encore finie, encore 30 minutes à jouer dans cette confrontation, alors qu'on voit Alain Sibri Traoré, qu'on souhaiterait avoir sur le terrain sur ce coup franc, mais...